Bonjour, je suis Célestin Métral, je suis ingénieur robotique chez Toutilo. Ça va être quelqu'un qui va s'assurer que la partie mécanique, donc la partie physique des objets, des robots, des machines, est en adéquation avec la partie informatique, la partie numérique, et que donc les deux vont interagir de manière logique et cohérente. Alors moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc j'ai grandi dans cet environnement. C'est du coup quelque chose qui me plaît de travailler dans une ferme, d'avoir ce contexte particulier. Alors pour devenir ingénieur en robotique, moi j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles en PT-PTSI, donc physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Donc ça m'a permis d'apporter la partie mécanique du métier, donc c'était très intéressant. Et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur en électronique, informatique, système avancé et réseau, qui m'a apporté toute la partie logiciel embarqué, à la partie électronique, jusqu'à la partie informatique temps réel embarquée. Dans l'entreprise, je m'occupe du Toutilo, donc qui est une machine électrique pour ramasser, pour planter, pour désherber des légumes et toutes sortes de plantes, qui est donc un enjambeur électrique. Et je suis en charge de toute la partie électronique, informatique embarquée. Donc ça va autant de la partie moteur, de la partie puissance, de la partie déplacement de la machine, jusqu'à la partie un peu plus logicielle, donc analyse des données, des capteurs, pour voir si la machine fonctionne bien et quel est son environnement de travail. De base, la machine est totalement aveugle, c'est-à-dire qu'on lui demande d'avancer. Donc par rapport à un robot qui va être autonome, on a toujours un opérateur qui va surveiller, qui va commander la machine. Par-dessus, pour pouvoir apporter de la sécurité ou apporter des fonctionnalités en plus, on va rajouter toutes sortes de capteurs qui sont modulables à volonté. On va avoir par exemple des caméras pour suivre directement les cultures, pour suivre des lignes qu'on va poser au sol, où on va pouvoir avoir des modules de télécommunication pour pouvoir surveiller la machine à distance, vérifier qu'elle fonctionne bien et que tout va bien. La technologie évolue surtout dans la précision. Donc on va avoir plusieurs parties. On va avoir les parties plutôt vision, donc on va avoir des meilleurs objectifs de caméra, on va avoir des meilleurs outils de traitement pour traiter plus d'images le plus rapidement possible, reconnaître des plantes, reconnaître des formes. Et sur la partie déplacement, on va pouvoir améliorer la précision des positionnements par GNSS, donc qui sont GPS, les autres systèmes de satellites. Et puis sur la précision aussi des capteurs de distance pour contrôler qu'on ne rentre pas dans un obstacle, qu'on n'est pas en train de renverser quelqu'un ou renverser une plante. Voilà. C'est un robot pour faire le ménage? Non, c'est pas... Ce qui me plaît dans ce travail et surtout dans cette entreprise, c'est de me dire que je vais pouvoir créer des objets, créer des choses qui vont répondre à un besoin. Donc ici, pour le maraîchage, on va avoir des agriculteurs qui vont nous demander des machines pour faire des tâches. Mon rôle va être, avec tout le reste de l'équipe, de mettre en œuvre et de créer des produits pour répondre à ce besoin. Et je sais qu'ensuite, il va avoir un vrai intérêt, il va vraiment être utilisé dans les champs. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît quand ensuite j'en discute avec les maraîchers et qu'ils me disent qu'ils sont contents de ce qu'on a créé.